Cet endroit est très bien gardé. Hey, arme en main, d'accord? De vieilles écritures, de l'ancien royaume. Oh! Hey. Retransmission, segment 4, acquisition de contemporanéité. 99 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Le 21 décembre de l'an 2012,
Desmond a activé l'aurore boréale planétaire et protégé la Terre de l'éjection colossale de la couronne solaire. Le 21 décembre de l'an 2012, l'humanité a vaqué sans inquiétude à ses occupations. Les gens... Retransmission, segment 4, acquisition de contemporanéité. Thank you.
Ici. Whoa.
Qu'est-ce que c'est ? Des présages de mort. Oh!
Go ahead.
Je vous apporte votre vin. Ah, regardez qui est de retour. Bayek de Siwa. Tu es le bienvenu à Héraclion, ville de vin, de femmes, et de tout ce qu'un Medjay peut désirer. Et mériter. Ah, à la reine. Bayek, tu arrives au meilleur des moments. Cléopâtre, je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils. L'ordre a été neutralisé. Mais ai-je tué pour toi ou pour moi ? J'ai deux autres noms. L'ordre ne peut... Et combien d'autres noms après cela ? Autant qu'il en faudra. Je dois conduire mon fils dans l'autre monde, là où est sa place. Je t'apprécie, Cléopâtre. Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux. Que représente cet insigne ? L'aurais-tu oublié ? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi. Nous n'affrontons pas qu'un seul homme. Rien n'est aussi simple. Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre. Je suis ton pharaon, et tu es Medjay de toute l'Égypte. Suis-moi, j'ai un présent. À propos de Medjay, tu as des nouvelles d'Aya ? Aya défend nos intérêts sur les mers. Son pays et sa flotte d'un jour à l'autre. Forgeront une alliance contre l'ordre. Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque. Le pays est opprimé, martyrisé. J'ai compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever. Oui, Bayek. Je t'ai donné deux nouveaux noms, le Chacal et le Scorpion, pour partie des proches de mon frère. Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie. On a attenté à ta vie ? C'était les filakès de ton frère ? Difficile à dire. Ce Gabignani était un guerrier de Septimius. Leur milice compte près de 2000 hommes. J'espérais les rallier à ma cause. Avec Septimius, ce Romain stupide. C'est leur chef ? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse. Ce qui n'a rien d'égyptien, si tu veux mon avis. Aya pense qu'il travaille pour l'ordre et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville. C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils.
vous ne tuez pas, bande de lâches. Un cadeau pour toi. Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius. Il rôdait près de la villa. Il sait probablement qui a tué ton fils. Mon frère Septimius a tué ton fils, et j'ai aucun remords. Tu vas en avoir, des remords. J'ai baisé ses jumeaux, Venator. Ça te suffit? Je vais lui soutirer d'autres informations. En attendant, va visiter le bordel de la ville. Oui. Va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise. Septimius est en ville. Le capitaine de ces phylakes se nomme Venator. Selon les rumeurs, il traînerait au bordel. Je vais nettoyer cette ville et assurer notre sécurité. J'ai l'intention de renommer ce temple en mon honneur. La ville est-elle enfin sûre? Je me suis laissé distraire. Cette région est magnifique. Et le bordel, il te plaît? Nous devons agir vite si nous voulons attraper Septimius. Je vais m'en occuper. Non, il est interdit de venir ici. Quoi? Tu vas crever! Tu es d'une lenteur! Tu espères t'échapper comme ça, espèce de singe! Thank you.
Vite! Ça. Des plans de bataille. Ils comptent se battre avec des éléphants, et ils les entraînent à tuer en attaquant les paysans. Par les cornes d'Amon. Cette bête est gigantesque. Elle doit avoir une puissance inouïe. Il a fallu une vache entière rien que pour lui faire un harnais. Pas une ferme, mais un grand campement militaire. Ce n'étaient pas des soldats, de simples paysans. Les os brisés, la tête réduite en bouillie. Ces voix rauques. Il doit s'agir des derniers paysans qu'ils ont emprisonnés. Why,
جسد إيفي بشيتشو مسور. Merci. Que les Gisette, et Horus, et Sarapis, et Anubis, et... Vite! Tu les remercieras plus tard! L'un de vous connaît Yousneb? Quoi? C'est moi! Merci, mon ami. Je surveillais les troupes romaines, et je suis tombé entre leurs mains. C'est de la barbarie! Ils entraînent les éléphants à combattre, et les obligent à tuer des prisonniers pour les endurcir! Tu es en état de repartir? Bien sûr. Je vais avertir Apollodorus de ce pas. Thank you.
nos approchons. Ah, un vrai guerrier. Je fais un prix au... Attends. Tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai? Non, n'en suis pas un. Je suis un Medjay. Waouh. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjay. Mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjay qui travaille pour le Pharaon doit avoir de l'or à dépenser. Il faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire. Tu appelles ça parler? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont te coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjay. Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Ils ont eu une nuit éprouvante, alors ne leur parle pas.